À côté de La Rochelle, Fabienne, Yves et leurs 5 enfants se préparent à l'arrivée du petit dernier. L'accouchement est prévu dans 2 semaines, alors cet après-midi, c'est séance shopping. À chaque naissance, Fabienne a un rituel, acheter une poussette. Donc c'est à peu près le plus beau jour de ma vie, comme vous pouvez constater, parce qu'il y en a qui aiment les Lamborghini et il y en a qui aiment les poussettes. Donc là, je vais rentrer dans mon... C'est pour ça que je fais des enfants, en fait. La vraie raison, c'est ça, c'est pour pouvoir acheter une poussette en fin de grossesse. Malgré son petit budget, la passionnée de poussettes est prête à dépenser plus de 300 euros. Pas question de faire des concessions sur la qualité. Ça, c'est peut-être pas mal, faut pouvoir plier. Maman, je veux cette poussette. Tu veux cette poussette-là, toi? Ouais. La toute première poussette qu'on a achetée pour Eden, j'avais pris une poussette d'occasion. Très bien, je n'avais pas payé cher du tout. Hein. Pour le coup, c'était formidable. J'ai dit à mon mari que j'ai fait une occasion en or. Et Eden est née, on l'a mise dans le cosy. J'ai pris le cosy par la poignée, le cosy est tombé. La poignée a lâché, en fait. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que j'achète comme ça d'occasion, pas cher. Je ne veux pas une poussette de 15 kilos, je veux une poussette compacte, légère, que je peux développer d'une main, avec le bébé dans la main, un truc comme ça. Fabienne en est à sa 6e poussette. Mais à la vue des dernières nouveautés, elle craque, littéralement. Vous avez une poignée qui est juste ici, que vous venez tirer, vous la faites tourner sur elle-même. Oh, ça me plaît, ça. Et après, vous avez la possibilité de rajouter un petit cocon à l'intérieur pour faire une nacelle et vous l'avez fait. Pour faire un plus confortable. Voilà, ah oui, ça me plaît, ça. Sur moi, ça et là, on est sur un pliage super compact. Je peux voir le pliage? Juste avec la petite poignée dessous et la poignée ici, vous... Elle se fait toute seule, en fait. Elle se plie vraiment toute seule. Fabienne reste sans voix devant ce modèle à 300 euros. On est pas mal. On est pas mal, hein? On est pas mal du tout. Ça sera la seule qui tombera face à vous. Voilà, c'est ça. D'autres versions que la rose? Oui, oui, j'ai d'autres couleurs. Pas de panique. Flairant la bonne cliente, la vendeuse entraîne Fabienne au rayon porte-bébé. Elle lui propose sa dernière nouveauté à 90 euros. Donc en fait, vous avez le nœud devant... Et le nœud derrière. Voilà. Et vous avez juste à régler avec les anneaux. Donc c'est super simple. Vous venez écarter de chaque côté pour pouvoir mettre bébé à l'intérieur. Donc position fœtus. Pour Fabienne, c'est l'extase. Elle est comme envoûtée. Et je remonte jusqu'en haut de la tête de bébé. Et là, mon écharpe est mise. Après les accessoires, place au pyjama. Ce 6e enfant, la future maman veut le gâter. Je voudrais que ce bébé-là ait du neuf, un maximum de neuf, parce que je préfère avoir moins de choses, mais qu'il ait vraiment ces petits trucs à lui, là, de me faire plaisir. Cette grossesse-là, voilà, j'ai envie de me faire plaisir sur les vêtements. D'autres, j'ai plus envie de me faire plaisir voilà, sur des accessoires, je sais pas, des peaux de mouton, des trucs comme ça. Et lui, non, j'ai envie qu'il ait ses petits vêtements à lui. Des petits pyjamas pour la maman et de la lingerie fine pour le papa. Comme d'habitude, ça, Yves bien. Fait le pitre. Oui. Damien ? Heureusement qu'il y en a une qui reste sérieuse. Et ça fait rire Damien, c'est ça le pire. Mais au moment du passage en caisse, grosse désillusion pour Fabienne. La poussette de ses rêves est en rupture de stock. J'ai pas de stock du tout et en délai, c'est dans 15 jours que vous accouchez, ça va être compliqué. D'accord. La femme enceinte doit encaisser le coup. Parce que j'aurais plus dit 15 jours, 3 semaines. Oui, parce qu'il y a les ponts là. Ouais, voire 4 avec les ponts, donc ça va être compliqué. Alors finalement, Je pars sur ma poussette. C'est dur. Mais finalement, c'est très bien. Mais vous partez avec plein d'autres choses. Je pars avec plein d'autres choses, donc je suis contente, ça va m'occuper. Je vais me promener avec mon porte-bébé autour du cou. On mettra le chat dedans. On mettra le chat dedans, voilà. Et Fabienne n'est pas la seule à préparer l'arrivée du futur bébé. Maman ! Eden, l'aînée, a hâte de devenir grande sœur pour la 5e fois. Hop. Tiens. Merci. Mon bébé. La jeune fille de 10 ans voudrait devenir styliste. Alors elle a confectionné des linges pour son petit frère. J'avais fait le coussin, avec les petites fleurs là, le coussin et le nez d'ange, mais c'est trop rose. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. Et pourquoi tu dis que c'est trop rose? Parce que mon petit frère c'est un garçon et c'est rose avec des fleurs roses avec un fond rose. Parce qu'au début j'espérais avoir une sœur et pas un frère,
Et pourquoi tu voulais une sœur? Bah parce que j'en ai pas assez. De quoi? Bah de sœur. Eden et Cassiopée, 5 ans, sont les deux seules filles de la famille. Il a encore loqué. Elle aussi avoue sa déception que ce soit encore un garçon. Alors, ça fait quoi? Pas bien. J'ai vu une petite sœur, moi. Tu voulais une petite sœur? Mais tu vas t'en occuper quand même. Non. Tu vas pas t'occuper de ton petit frère? Mais non, moi j'ai une sœur. Tu feras pas de bisous, pas de câlins, rien du tout? On va mettre du rouge à lèvres. Tu mettras du rouge à lèvres? Oui. Si au fond, l'arrivée de ce nouveau bébé réjouit toute la famille, accepter ces grands bouleversements n'a pas toujours été si facile. Et surtout pour Fabienne. J'ai parlé qu'il y avait un problème qui était tombé du lit, qui était fait une bosse, et qu'en plus il avait une infection, il avait une conjonctivite. À la naissance de Jemarley, son troisième enfant, la mère de famille panique. Elle se sent submergée et craint de ne pas être à la hauteur. Et l'envie de bien faire, vraiment le souci de se mettre la pression, de vouloir faire, d'être parfaite, d'être la mère parfaite. Donc, c'est-à-dire que je passais mes journées à faire le ménage, à lustrer, enfin on pouvait manger par terre à la maison sans souci. Mais c'était une pression énorme que je me mettais. Du coup, je demandais énormément aux enfants. Avec le temps et les naissances, Fabienne a appris et changé. La femme paniquée du début a fait place à une maman apaisée. Soit on essaie de garder la même rigueur qu'on pouvait avoir avec un, et je pense qu'honnêtement c'est pas possible. Je pense qu'on pète les plombs, enfin à vouloir faire toujours, à être derrière eux, à pas qu'ils tombent, à pas qu'ils se blessent, à pas qu'ils se fassent mal, à pas qu'il leur arrive quoi que ce soit d'un peu négatif, d'un peu de souffrance, etc. Soit on apprend à être plus cool. Donc voilà, ils vont tomber, bah, quand ils tombent on panique pas, quand ils ont de la fièvre on panique pas, quand on voit qu'ils sont pas bien, on relativise beaucoup plus. Maman, c'est qui t'es là tout le temps? C'est qui ça? C'était moi! Oui! C'était moi, Vinique, tout bébé de Cassiopée. À Hayange, dans l'est de la France, chez Angélique et ses 6 garçons, c'est la panique. Maman! Allô? Oui? La communion des jumeaux de 10 ans a lieu demain, mais l'une des stars de la soirée risque de ne pas pouvoir en profiter. La mère de famille est dans tous ses états. David, il est aux urgences parce qu'il a mal tapé, du moins il a joué au foot avec un jeune, et le jeune il l'a bousculé, et du coup il boite. Alors on a peur qu'il y ait une fissure, là il a fait la radio, on attend la réponse maintenant. Tous les frères de David sont inquiets, et surtout Christophe, l'autre jumeau. S'il a le pied cassé, il pourra utiliser ses béquilles, et du coup ça c'est un peu énervant. Il pourra pas bien profiter de sa communion, bah, de sa grande fête. Pas de nouvelles. Pourtant il pourrait m'en envoyer des nouvelles. Cela fait 2 heures que le grand blessé est à l'hôpital avec son père. Angélique désespère. Ah, c'est papa qui a peur. Oui, allô? Ouais, salut, ça va? Il a déjà été en radio? Non, pas encore. Alors là, ils vont t'envoyer en radio maintenant. Ouais, mais moi, j'ai du temps, il y a peu de monde. Hein. T'as vu comme il est gonflé, le pied? Ouais, pour moi, c'est une entorse, une foulure, un truc comme ça. Hein. Ouais, je te laisse. Ok, bon, tu me tiens au gaz, hein. Quand il a fait la radio, tout ça. Ouais, ciao. Ciao. Angélique devrait déjà être à la salle des fêtes pour tout préparer. Mais impossible de faire quoi que ce soit tant qu'elle ne sait pas si son fils est remis sur pied. J'ai eu un message. Ah, bonne nouvelle. Il a rien, on va manger. Super. Christophe, oui. David, il a rien. C'est moi qui avais dit. Ouf. Ça va être bien demain. Il n'aura pas de béquilles, il n'aura pas de plâtre, pas d'attelle. C'est super. Ouf. Donc maintenant, je peux aller faire la déco de la salle d'esprit tranquille et soulagée. Venez. Angélique prépare cette fête depuis 6 mois. Elle a réussi à économiser 1000 euros pour faire plaisir à ses enfants et à la trentaine d'invités. Champagne ! Faut ce qu'il faut, hein, pour des belles fêtes. À moins de 24 heures de l'événement, la mère de famille est un peu à cran. Alors, il y a toutes les boissons là à prendre. Là, Rémi, mets sur le siège, là, derrière. Et surtout, quand ça touche à sa déco, faites maison. On fait gaffe au toit, on ne le prend pas comme ça. Oui, bah comment tu veux que je le prenne, alors? Et déjà, ça sert à rien.
Mais putain, mais bouge là! Ah non, Joe, calme-toi! Penche légèrement. Après, c'est moi qui te sur la vie. Change ton dialogue parce que même à 17 ans, tu te prends une gifle. Si tu veux que je distribue des baffes toute la journée, ça va être vite réglé, Joe. Hein. Maintenant, si je vais là-haut pour me stresser plutôt que de décorer, vous dégagez direct à la maison, j'ai pas besoin de votre tranche. C'est sur les hauteurs de la ville qu'aura lieu la réception. Dans cette salle polyvalente, en pleine nature. Pour être prête à temps. Eh, vous êtes en retard, hein ? Angélique a appelé des renforts. On avait dit 2h30, hein ? Bonjour, tonton Tiff. Bonjour, maman. Son frère Steve et sa belle-sœur vont l'aider à décorer. Pour faire des économies, Angélique a réservé cette salle prêtée par les restaurateurs en charge du buffet. Et c'est son frère, agent de sécurité passionné de musique, qui fera le DJ. Tu vois pourquoi je vais faire ça ? Parce que regarde, t'as 4 entrées. Et là, on peut gérer la guitare, vos 2 micros et le synthé. Merci, merci, tonton. Viens, on commence par là, Nono. En parfaite chef d'orchestre, Angélique veille aux moindres détails. Sur la guitare. Ouais, bah, c'est pour ça. Il aurait dû faire quand même la musique, là. Steve, tu devrais quand même faire la musique, là. Parce que moi, j'ai pas envie de mettre les gens à côté des haut-parleurs, ils vont avoir la musique comme ça. Et là, le soleil, il tape sur nous. Comme à la maison, la mère de famille nombreuse distribue les tâches pour optimiser les forces de chacun. On va prendre les tables là. T'as cru que t'allais tourner les pouces, Johnny ? Hop ! Alors. Sa belle-sœur est chargée d'installer la vaisselle prêtée par la grand-mère. Les garçons, eux, sont responsables de l'atelier origami. La directrice artistique d'un jour peut se consacrer à sa décoration, le fruit d'une longue réflexion. I see the crystal. Là, j'ai pris des petites boules rouges qui rappellent l'effet balle. Pour moins de 150 euros, Angélique s'est procuré une dizaine d'éléments. Je suis fière de moi. En dépensant peu, on peut faire quelque chose de très joli. Il suffit de faire travailler son imagination. Une décoration moitié foot, moitié communion, qui, elle l'espère, tapera dans l'œil de ses jumeaux, fans de Benzema et de Ronaldo. Vu qu'ils sont pour le Real, mes fils, alors je leur fais la surprise de décorer la salle sur le thème du foot, de l'Espagne et du Real Madrid. L'autre surprise de l'événement est en pleine répétition. Geoffrey et Logan, les jumeaux de 17 ans, vont offrir un concert à leur petit frère. Une grande première qui demande encore quelques ajustements. Ah, le son, il fait mal aux oreilles. Il fait mal. Hein? Il fait mal. Ben, c'est trop fort, hein? Hein? C'est trop fort, alors, hein? Ah, ça, c'est, moi, je trouve que ça fait mal à la tête. Ouais, ça me met quand même un peu de pression. C'est la première fois que je joue devant tout le monde avec ma nouvelle guitare, et puis, je sais pas si je vais assurer ou quoi. Bon, Logan, Joe, vous aidez à prendre des affaires, là? On peut y aller. Allez-y. Voilà, satisfaite. Ouf. À demain. Maintenant, une bonne nuit de sommeil. On l'a mérité. À l'année prochaine. Tu m'étonnes. Je suis épuisée, mais contente. Oui, du résultat, de la dégaine de la salle, il n'y a plus qu'à. Après des mois d'économie et de travail, Angélique espère que la journée de demain sera à la hauteur. Merci tout plein, hein. À demain. Le gros. Tiens. Pourquoi les deux côtés, il y a ce choix.